Bonjour tout le monde, salam alaikum jami'an. Aujourd'hui, je vous vis avec une petite recette. Il fait froid, on a envie de se réchauffer. Il n'y a pas mieux que la soupe. Oui, la soupe pour se réchauffer. Aujourd'hui, je vais faire une soupe marocaine, comme vous la connaissez sous le nom de l'harira. Elle est très, très facile à faire, très facile à réaliser. Et puis voilà. Reste avec moi pour voir ce que je. Donc, quoi j'ai besoin et voilà et les épices voilà tout ça voilà comme je vous ai dit je m'apprête à préparer ma soupe j'ai mis mes pois chiches j'ai environ 200 grammes oui pas environ 200 grammes de pois chiches là j'ai 250 grammes de viande elle est entière mais n'ayez pas peur je la mets entière comme ça quand elle cuit je puisse la prendre, la découper, voilà, pour qu'elle ne se mette pas dans la soupe. Voilà. Là, j'ai un oignon en entier que je vais mettre et que je vais enlever par la suite. Vous allez voir avec moi dans les étapes. Et comme épice, on va mettre une bonne cuillère de sel. Que c'est une grande marmite, on va rajouter un peu. Je vais mettre deux bonnes cuillères de gingembre. Et là, je vais mettre un peu de poivre, pas beaucoup. Une cuillère méara. Voilà. Et un peu de safran. Environ pas une cuillère, mais la moitié de la cuillère, grande cuillère à soupe. Voilà, c'est suffisant. Et une petite cuillère. Pas petite, mais une cuillère à soupe d'huile d'olive, c'est suffisant vu que notre viande va rejeter son gras naturellement. Voilà. Et reste avec moi, je vais recouvrir ça d'eau et je reviens avec vous. Et voilà, comme vous voyez, j'ai recouvert ça d'eau. J'ai rempli un peu plus que la moitié de ma marmite. Et puis voilà, je m'apprête à la mettre sur le feu pour que ça cuit. Et quand ça sera cuit, quand ma viande sera cuite et mes pois chiches, restez avec moi pour voir la suite de notre soupe, Inch'Allah. Et voilà, nous allons continuer notre soupe. Mes pois chiches et ma viande est cuite. Je m'apprête à enlever ma viande pour la découper. Je vais vous dire ce qu'il faut pour la suite. Là, j'ai du céleri. Là, j'ai une botte de coriandre. Là, j'ai une botte de persil. Là, je vais lier ma soupe avec un peu de maïzena. Là, j'ai soit des spaghettis que vous coupez en petits morceaux, soit vous prenez des cheveux d'ange. Là, j'ai de la cannelle. Là, j'ai de la cardamome. Et là, du coriandre moulu. Là, j'ai 5 tomates et 2 pots de tomates. Restez avec moi. Et là, comme je vous ai dit, ma viande est cuite. Voilà. Je m'apprête à la prendre, à la réserver de côté. Et je vais la découper après. Restez avec moi. Voilà. Comme vous voyez. Et comme je vous ai dit, j'ai besoin de tomates dans ma soupe. Je vais en profiter. Je vais la mettre dans le bouillon de ma soupe. Et je vais la mettre pour que. Tant que c'est chaud. Voilà, et je vais pour que je puisse enlever ma peau facilement.
Vous avez vu, j'ai mis mes tomates dans le rouille, le bouillon de ma soupe, ce qui sera ma soupe. Et n'ayez pas peur, hein, la peau ne va pas s'en lever et se mettre dans le fond de notre marmite. C'est juste le temps d'une, 2 minutes. Je profite tant que c'est chaud, tant que mon bouillon, voilà, est chaud et bouillant, de plonger mes tomates dedans et je les retirerai dans 2 petites minutes, grand maximum, juste le temps que je vois que ma peau commence à se fissurer sur les côtés et je vais l'enlever. Et reste avec moi pour la suite. Et comme vous voyez, maintenant je m'apprête à couper mon céleri en petits pour le mettre à hacher, enfin à mixer. Je vais le mixer dans mon mixeur. Voilà, je coupe un petit morceau. Je vais faire pareil pour le persil et le coriandre. Voilà. Et restez avec moi jusqu'à la fin. Et voilà, comme vous voyez, je m'apprête à retirer mes tomates parce que elles ont commencé, comme vous voyez, il y a la peau qui commence à s'enlever. Je vais les retirer. Voilà, comme vous voyez, c'est assez rapide. Ça prend 2 minutes, grand max. Puis n'ayez pas peur, ça aura pas de goût dans votre soupe. Voilà, c'est juste pour vous montrer une petite technique. Voilà, comme vous voyez, j'ai la peau qui commence à s'enlever. On va les mettre de côté. Laisser refroidir. Puis on va enlever la peau. Reste avec moi. Et voilà, comme vous voyez, mon céleri, je l'ai coupé grossièrement, je l'ai mixé. Je m'apprête à le rajouter dans ma soupe. Et voilà, je m'apprête à le rajouter là-dedans. Je vais mélanger un peu. Ensuite, je vais prendre mes tomates que vous avez vues précédemment avec moi. Je vais les éplucher et je vais les mettre dans mon mixeur. Je vais les mixer et les rajouter là-dedans. À tout de suite. Et comme vous voyez, je m'apprête à rajouter mes tomates. Bismillah. Je m'apprête à hacher, à mixer ma coriandre et un peu de coriandre, un peu de persil maintenant. Et restez avec moi pour voir les étapes. Comme vous voyez là, j'ai coupé, enfin, coupé mon coriandre et la persil. Je m'apprête à en prendre un peu de chaque. Je vais les mixer pour les mettre là-dedans. Et je laisse l'autre partie, une fois que j'aurai incorporé la maïzena pour solidifier ma soupe. Restez avec moi. Et voilà, après avoir mixé bien, bien comme il faut un peu de coriandre, un peu de persil, je m'apprête à les rajouter dans ma soupe. Et voilà, entre-temps, je m'apprête à préparer ce qui va m'aider à lier ma soupe. On va dire, on va voir combien on a de cuillères de maïzena. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, 10, 11, 12, on va dire 13 cuillères de maïzena bien pleine. Alors je vais rajouter quelques épices dans
avec la maïzena. Je vais rajouter un peu de cannelle, environ une petite cuillère. Voilà. Je vais rajouter de la coriandre moulue. Ça apporte quelque chose à notre soupe, juste un petit peu. Voilà. Et un peu de. Attends. Et un peu de cardamome. Pas beaucoup, parce que le cardamome c'est assez agressif en bouche pour ceux qui n'aiment pas manger épicé. Voilà. Une bonne cuillerée bien pleine. Voilà. Et je vais rajouter mes pots de tomates, comme vous voyez. Et je vais fouetter ça. Je vais prendre un fouet. Je vais mélanger ça ensemble. J'espère que ce que je fais est bien et que vous aimez ce que je fais. Et voilà, je m'apprête à mélanger tout ça. J'ai un peu d'eau dans mes mains. Et puis je vais mélanger, bismillah. Voilà, j'ai mis environ un bon petit bol d'eau. Et je m'apprête à mélanger tout ça bien comme il faut. Sans laisser de grumeaux. Comme il faut. Restez avec moi. Et voilà, après avoir mélangé ça, enfin la maïzena avec la tomate concentrée et les épices que j'ai mis dedans, je m'apprête à l'incorporer là dedans. Bismillah. 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 Et je mélange voilà. Je ne cesse pas de mélanger pour comme ça j'ai rien qui va au fond. Voilà. Vous voyez, et on mélange à chaque fois. Voilà, reste avec moi. Et maintenant je m'apprête à incorporer mes pâtes. Voilà. Voilà. Et je mélange. Il faut à chaque fois mélanger pour éviter qu'il y ait quelque chose qui colle au fond. Et voilà, on mélange à chaque fois. Et maintenant je m'apprête à découper ma viande en petits morceaux pour que quand la fin de cuisson de ma soupe est environ d'un bon 45 minutes, avant les 45 minutes, je vais rajouter ma viande et le reste de coriandre et de persil que j'ai mixé. Reste avec moi. Et voilà mon morceau de viande, je m'apprête à le découper. Voilà. On va essayer de le découper en petits morceaux. A tout de suite. Et voilà, comme vous voyez, j'ai pris ma mon petit ma part de viande que j'ai découpée en petits morceaux que je vais incorporer à ma soupe à la fin de la cuisson parce que ma viande est cuite. Restez avec moi. Voilà, ma soupe est enfin prête. J'espère que vous allez l'essayer. Voilà, comme vous voyez, ma soupe est prête. Ma lhrira. Je m'apprête à en mettre pour moi. Enfin, on est trois personnes. Voilà. Bismillah.
comme vous voyez. Et puis j'en ai donné un peu à la famille. J'en ai, puisque j'ai fait une grosse marmite. Et voilà, comme vous voyez, je viens de dresser ma soupe. J'espère que ça vous plaît. Ce que je fais, je vous montre juste ce que je fais tous les jours. Mais il n'y a pas meilleur accompagnement pour une soupe que des dattes. Essayez-le et mettez-le-moi dans le commentaire. J'espère que tout ça vous plaît. Et à la prochaine vidéo, inch'Allah.